Abe Nibutembo, le peuple n'est pas écrasé, même s'il est meurtri. Le constat est des évêques de la SENCO et de l'ACAC au cours de leur séjour dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les serviteurs de Dieu se disent flattés par le fait que malgré la situation tragique de ce camp, la population continue de travailler. Cette délégation conduite par l'archevêque de Kananga s'est entretenue ce mardi avec les membres du comité urbain de sécurité de Butembo. Au sortir de cette rencontre tenue à l'hôtel de ville, Monsieur Marcel Madila, chef de la délégation, s'est livré à la presse. On l'écoute. Butembo, béni, Butembo, c'est pareil. Donc la situation est toujours tragique. Mais en même temps, je continue à avoir beaucoup d'espérance et beaucoup de courage, des espérances dans les visages des uns et des autres. Donc le peuple n'est pas écrasé, même s'il est meurtri. Et ça, c'est un bon signe. Les gens continuent à travailler, les gens continuent à espérer, ils continuent à prier, ce qui est pour nous un signe d'espérance. L'Église a toujours considéré que dialoguer, rencontrer les gens, c'est un début de solution. Donc nous essayons de parler, d'encourager ceux qui doivent être encouragés pour qu'ils fassent le travail qui est le leur de la meilleure façon pour que la paix revienne dans cette partie de notre pays. Et c'est le devoir et la mission de l'Église.